Cette fin de formation a vu la création de l'unité de sauvetage, d'appui et de recherche qui constituera à pouvoir aller sauver les gens en cas de tremblement de terre. C'est une première équipe qui va être formée. C'est une première pour vous en tant qu'officier et sous-officier. L'ESD est une chose qui me tient énormément cher parce que sachez qu'à Djibouti, nous nous trouvons dans une faille sismique et que nous ne sommes pas et nous ne serons jamais au courant le jour où il adviendra qu'un tremblement de terre serait à Djibouti. Donc, il faudrait que vous soyez prêts. Les acquis que vous avez aujourd'hui, j'espère que vous allez le transmettre en tant qu'officier, en tant que sous-officier, en durant à vos staffs dans vos différentes casernes. Je finirai en vous disant mes félicitations. Je crois que toutes les personnes ici présentes, officiers, sous-officiers, en durant, ont réussi parfaitement. C'est tout un honneur qui nous revient à nous en tant que direction de la protection civile et à vous. Je remercie tout en quittant toutes ces formations, si elles sont faites, si elles sont réalisées, si des staffs nous viennent directement de la France en collaboration avec la, coopération française, c'est d'abord grâce au colonel Le Goff, ici présent, qui est l'attaché de la sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France.